laisserait partir, vu qu'il y en a deux qui restent dedans, deux à l'extérieur, pour éviter les va-et-vient, dans la boue et tout. Alors, dans le camion, les déchargements s'y collent tous. On met partie le matos, on ouvre ce qu'il y a à couvrir. On arrive à laisser par contre du matos dans le camion. On peut même en remettre après du matos dans le camion. L'isolant, le tissu, on peut tout remettre dans le camion après. Il faut tout virer jusqu'au module. Après, c'est le plancher, la structure du plancher. Donc les barres, elles restent dedans, une fois que la ossature est montée, les barres, on les prend, on les pose directement sur le plancher. C'est combien de surface habitable? 35, je pense, 38. Enfin, 35 sur la facture, mais en fait ça fait 38. Ouais. Ah, 38, ouais. Et puis il y a de la place pour éventuellement une petite mezzanine. Ouais. Vraiment, c'est nickel. Et l'isolation, 100 mm, c'est suffisant pour... 2 mm, on a dit. Et après, pour faire tenir une cheminée à l'extérieur, il faut qu'elle tienne sur le sol. Ouais, le mieux c'est de planter un mât dans le sol, puis après tu te dessus, c'est quand même mieux. Là on a vu ici des équerres, ouais. Des équerres, on nous a fait un truc pas mal. Ça y est, là je crois, on y est, c'est parti. Imagine la porte ici, le module sanitaire il serait là-bas. T'as raison, le module sanitaire il serait là. Donc si on se met comme ça, tu l'aurais par là effectivement. Ouais, comme ça, vous avez de la place largement pour ici. Ok, ça marche. Donc on est bien d'accord, tu dois l'avoir de tête j'imagine aussi. Mais... Ouais. Donc le partie fixe là, c'est ça. La longue partie fixe ici, la fenêtre, sortie de fumée, la porte et le module ici. Ok. C'est tout bon? C'est tout bon. Vont remettre des poteaux après là au milieu de chaque traverse. On peut peut-être leur mettre des. Et ben tu sais quoi, on peut même peut-être les attaquer. Il y a des poteaux, ça c'est la pièce du centre en fait. Qui vient terminer le plancher. Donc on la prédécoupe en fait ici, donc c'est un collage qui est fait dans le même bois que le plancher. Ensuite on va mettre toutes les parts sur la structure, on va tout rassembler et après au centre on va refaire une découpe, donc de la même dimension, c'est la pièce qui va venir terminer en fait l'assemblage quoi. Voilà.
mon grand doigt par terre là. Ça vous mettez tout dedans. Le plancher, il est pas vissé du tout. Si, il est vissé après à la structure par les pointes. Mais d'abord, faut qu'on le mette entièrement. Faut qu'on le mette entièrement. Ouais. Le compris-bande et tout ça. Et après, une fois que tout est mis, on resserre toutes les parts entre elles. Et on les visse par l'extrémité du plancher. Pas de soucis là. Il n'y a aucun. Ça s'envolera y a pas. Aucune vis. Rien du tout. Ah, non. Ça c'est posé. Voilà. C'est-à-dire que si jamais un jour ça doit s'envoler, il te restera la structure en bas. Okay. Voilà. C'est lourd. Ouais, non mais ouais. Écoute là, au total on doit être à entre 4 et 5 tonnes. Hein. Ouais. Au total. Alors ce qui dépasse là-bas, voilà si. Ok, ça marche. On va aller chercher des treillis, celle tête. Du ouais. Coup, on va t'alimenter en treillis. Du coup, il y a eu une modif. Vous savez, on avait fait un petit treillis de finition. Ouais. Du coup, on l'a viré. Ouais. Parce que sinon, le module fumé, là, il n'était pas centré en fait. Ah oui, ça a été agrandi de là-bas. Ouais, tu te souviens, il y avait d'un côté, il y avait deux perches, l'autre, il n'y en avait qu'une.
Du coup, ça faisait pas génial. On a tourné le problème autrement. Quoi. Tu vises pas le treillis pour être sûr qu'il bouge pas? Y a pas besoin de le visser. Juste un bon lien avec une corde, ça suffit. Et comme c'est sujet à bouger, une yourte avec le vent, vaut mieux que ce soit un peu mobile. Là, on va faire tout le tour avec la corde, là, comme ça. Et après, les perches, elles rentrent dans les croisillons, ici. Ici, là. Elles viennent s'enclaver dans une encoche. Mais c'est pas ce qui fait, tenir la yourte. Après, il y a un câble qui passe dedans. Câble métallique? Ouais, un câble métallique, ouais. Il doit faire 4 mm de diamètre. Et une fois que le câble est tendu, si tu veux, c'est ce qui fait que ta yourte, elle sera autoportée après. Là, c'est juste pour le montage des perches. Non, mais attends, c'est ce qu'on va faire, regarde. C'est combien de perches, le module? C'est marqué, non? Vas-y, c'est bon. Attends, là, il y a 72,5 qu'il faut ici. C'est quand on va serrer en fait le toit, vu qu'il est bombé, et il faut que ça compense. Si jamais on a un plan bombé et que ça s'arrête comme ça, là ça fait un jour. Donc là forcément je vais monter plus haut, vu que c'est bombé comme ça, pour que ça puisse bien plaquer. Et après au serrage, ça compresse. Et du coup, on n'a pas de jour à l'intérieur. Voilà, magie chinoise. Ah ouais, 80 parfait. En fait, on va finir de mettre la toile intérieure en haut, hein, celle du toit. Ensuite, on va poser toute l'isolation. Mm-hmm. Et puis, bon, bah là, ça tire à sa fin. Après, ils vont commencer à attaquer la toile extérieure. Et après, il nous restera une heure de finition à peu près. Hein. C'est pas mal. Ok.
Bravo. Bravo, parfait. Poser la musique. Le fait que la yurte soit montée pour un an maxi, il y a une différence. La différence c'est qu'un chantier est permanent. D'accord. Différence dans le montage, non. Parfait. Par contre, on prévoit quand même un démontage futur. Donc on prend déjà nos marques, on fera des... pour que ce soit moins pénible. Des poses multiples dans la nuit, que ce soit moins pénible et qu'il y ait moins de dégâts possibles. Ça c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus maintenant, le déménagement des yurts, ce qui fait qu'on anticipe tout. Voilà. On va presque garder cet agencement en référence quelque part. Ah ouais. Tu vois, oui, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert chez un client. Toi, t'es le deuxième à reproduire ça. Quand j'ai vu ça, j'ai. Et ben, c'est harmonieux. C'était logique. Fenêtre, module, il y a une petite fenêtre de lumière là-bas. En plus, tu as cet espace lumineux de l'autre côté qui est pas mal. Mais là, du coup, enfin, c'est bien équilibré dedans. Merde, là, je puisse couper des morceaux à Abel. Là, elle rigole pas. Cette corde, elle est faite pour maintenir l'isolant en place, pour pas qu'il bouge dans le temps. Ça va ceinturer l'isolation, ça. On met l'isolant en contre, après on met ses cordes pour que ça tienne bien contre la yourte, et que ça ne s'affaisse pas. Ici justement, tu sais, c'est parti comme ça en bas. Ah ouais. Parce que là c'est l'inverse, on est comme ça. C'est parti comme ça. Ouais, cette partie là elle est descendue, du coup ça a fait des plis là-bas, tu vois. Ouais. Si on pouvait tendre là, ça déferait les plis, ça les ramènerait quoi. J'ai pas la hauteur, je me suis dit. Ouais. Ce serait mieux, hein. C'est pas que je veux pas tendre le bras, mais. Comment tu l'installes l'araignée une fois que tu as vissé ça? Enfin le chapeau, je veux dire. Par les branches là. Là il est préparé, il est posé sur le toit, il est à côté. Et après je l'ai fait glisser par-dessus comme ça. Tu veux que je récupère le...
Et comment il est fixé ce chapeau? Avec des cordes qui passent par l'extérieur. Je mets en place le petit chapeau. Des cordes. Il faut installer en fait ce qu'on appelle les descentes de toit. Sous la casquette de toit, tous les 1m50 on coud des sangles. Ce qui permet en fait d'arrimer le toit entier directement au sol. Ça fait partie des finitions. C'est l'heure du goûter. Là, tout le bord était monté. Bah oui. Là, ce qui fait que. On était parti, non? Oui, on était parti. Ah bah. Ouais. Ça aurait été plus confortable, on va dire. C'est bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi cette corde? Cette corde, elle sert de ceinture à la yourte. C'est elle qui va tenir l'ensemble. Si je ferme la porte, tu vois plus rien ici. T'as une lampe là? Ouais, c'est bon, j'ai la visseuse. Finalement, ça se finit bien. Ouais. Ça va pas trop mal. En nocturne. Non, non, ça va. Ça a été un peu dur, mais bon. On l'a eu. Isolant et tout. Mais j'en disais, moi, votre truc là, c'est bien, mais pas bien, quoi. Il faudrait porter aussi du volume. Enfin, pas nécessairement lourd, mais du volume au moins, tu vois. Faut que tu vois, t'es la ponce. Enfin, les planches de plancher, 10 mètres de long. Par exemple, tu vois, et tout comme ça, quoi. Tu vois, manœuvrer avec ça, c'est chaud. Là, c'est juste sur une palette, quoi. Ouais, une palette, tu risques pas, ça risque pas de baigner, ni rien, tu vois, c'est tout facile, quoi. C'est vrai que c'est un peu abusé, quoi. Bah ouais. Là, tu prends une palette de roof mat là, qui fait, je sais pas, 500 kg, mais sur 5 mètres de haut, là, c'est pas la même. Hein. Là, tu prends un nid de poule, t'as la tête, elle est comme ça. Là, tu te dis, putain, là, c'est chaud. C'est justement de la formation, c'est comme ça, pour savoir combien. T'apprends sur le tas après. Ouais, voilà, tu te démerdes quoi. Une fois que t'as tué deux collègues, niqué un truc. T'as baigné un merlot. Ouais. Voilà. Ça, tu le refais plus. La palette, je la coupe en deux, tu vois. Je les prends par demi maintenant.